Yo les amis, c'est Shiva, on se concentre aujourd'hui sur Resident Evil 7 pour la deuxième partie de ce let's play les amis. Voilà, je voulais juste vous dire aussi une petite info. Pour ceux qui ne savent pas encore, je travaille en 2-8. Donc en 2-8, je travaille une semaine du matin, une semaine d'après-midi. Cette semaine les amis, si vous voyez peut-être 2 ou 3 vidéos d'affilée sur Resident Evil 7, ne vous inquiétez pas, c'est normal parce que voilà, cette semaine je travaille de l'après-midi, donc j'ai que le matin, j'ai que 2 heures le matin pour faire des vidéos. Et donc voilà, sur Resident Evil 7, ça me prend pas beaucoup de temps pour faire la vidéo, tout ça, par rapport au mode LSPDFR, ça demande du temps tout simplement. Et je fais ces vidéos là quand je travaille du matin, comme ça j'ai toute l'après-midi pour faire les modes LSPDFR. Ne vous inquiétez pas, à partir de ce week-end, normalement ce week-end, il y a une vidéo qui sort, je pense que ça va être police municipale ou la BAC, voilà, en mode LSPDFR sur GTA 5. Ne vous inquiétez pas, ça va sortir ce week-end ou soit lundi. Voilà, lundi après-midi, elle sera sur la chaîne. Donc, soit police municipale ou soit tout simplement la BAC, une des deux, je vais choisir ce week-end pour laquelle que je vais faire pour le mode LSPDFR. Parce que je sais que la plupart des gens qui sont abonnés en ce moment sur ma chaîne, c'est pour les modes LSPDFR. Mais voilà, j'ai... Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, qui sont depuis le début sur ma chaîne, voilà, c'est du multigaming que je fais sur ma chaîne. Et donc, ce Resident Evil 16, je l'attends depuis longtemps. J'avais fait la bêta, tout ça, pour ceux, aller voir. Tout simplement, j'avais fait des lives sur la bêta de Resident Evil 7. Donc, c'est un jeu que je kiffe. Donc, voilà, tout simplement. Donc, voilà, les amis, on part pour la deuxième partie de ce let's play. C'est parti. Let's go. Hop, je mets juste ça comme ça. Continuer. C'est parti. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier, voilà, il est à la recherche de sa femme, ça fait 3 ans qu'elle a disparu, il la croyait morte. Et du coup, ben, il a eu un mail, sa femme, Mia. Donc, du coup, il l'a retrouvée, mais pas comme d'habitude. On s'est fait attaquer, les amis, et oui, on s'est fait attaquer. Alors, je sais pas comment ça va se passer, là, pour la deuxième. Donc voilà, j'avais envie de dire ça pour mettre au courant les gens que je travaille du matin, une semaine du matin, une semaine d'après-midi. À cette semaine, je suis de l'après-midi, donc j'ai que 2 heures le matin pour faire mes vidéos. Et voilà, surtout quand je fais des let's play comme ça, sur des jeux comme ça, ça ne demande pas beaucoup de temps. En 3 quarts d'heure, la vidéo est faite, voire même une demi-heure. Donc voilà, ça me permet de faire une ou deux vidéos le matin pour mettre sur la chaîne voilà, 2 jours après quoi. Allez, on y va, la femme de téléphone, machin, tout. Ok, ça marche. Allez, ça charge ou quoi? Ok, on y va. Ok, j'ai lâché. Oh, donc voilà, on s'est arrêté là, les amis. Oh putain, c'est mon ombre. Oh, j'ai eu peur. Donc, on s'est fait attaquer par Mia, donc sa femme. Hein, ça fait 3 ans qu'elle a disparu. Ah, je sais pas comment ça... Faut que j'aille au grenier. Ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, faut que j'aille au grenier. Alors, j'espère qu'elle va pas me rattaquer. Oh, chaleur. Allez, faut y aller, faut y aller. Oh non, merde, le fusible c'est en bas. Elle est chaud. On va mettre le fusible. Oh yes. Faut que je vais là-haut. Allez, cours, 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 cours. Oh putain, salope. Allez, c'est moi. Oh putain, la conne. Oh, la conne. Allez là, lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi. On n'a pas dû faire ça. Putain, ça. Lâche-moi, s'il te plaît. Putain de mal. En bas, tu m'étonnes. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, la salope. Donc, c'est bien celle qui tue les journalistes dans la bêta. Hein. Allez là. Ah putain, à ma couille, quoi. T'es sérieux, quoi. Oh là là, la tronçonneuse. Oh là là, t'es sérieux quoi? Eh, hey, allez, allez! Oh là là, elle m'a coupé la main! T'es sérieuse ou quoi? Oh là là! Ah bah, ça valait le coup de mettre. Putain! Putain, ça valait le coup de mettre. Oh là là! Les soins. Comment on fait? Ah voilà, R1. J'ai désinfecté. Oh putain, vas-y, faut que je monte. Faut que je monte au grenier vite. Putain, là. Oh là là.
Oh là là, c'est chaud. Alors, je sais qu'ici, il y avait le téléphone. Ok, là, il y a quoi, là? Là, on peut accéder. Ferme la porte. Merci. Alors, il y a quoi, ici? Oh, j'ai des munitions. Oh, j'ai un flingue. Oh, ça, ça va être mieux, ça. Bon, d'accord. Alors, je vais inverser. R2. Ok, je vais inverser les touches, je m'en doutais un peu. Commande. Inverser L1 et 2 sur 1, ok. Oui, voilà. Tac. Voilà, ça sauvegarde. Parce que moi j'ai l'habitude de jouer L1 et R1. Voilà. Voilà, et tirer avec R1. Ok, c'est bon. Bon, ça va être mieux avec ça. Hein, on va être plus rassuré. C'est comment déjà l'inventaire? Ah ouais. Voilà, merci. Des fois, il y avait des. Dans la bêta, il y avait des trucs. Il y avait des munitions dans les caisses. Non? Il n'y a rien. Ah, faut que je ressorte. Non. Oh là là, c'est tendu. Voilà, on va prendre l'arme. On va sortir. Putain, m'a fait peur cette conne. Allez, on y va, on y va. C'est ouvert là? Oh là là. Ah, c'est la pièce. On a des munitions. Ok. C'est la pièce où c'était cassé. Ce mur là était cassé. Voilà, referme la porte s'il te plaît. On va passer avec la hache. Je sais qu'il y avait des munitions par là. Ah, mais c'est pas pareil aussi. Non, y a rien par là. Ah si, on va repasser clash. Non, y a rien par là. Y a rien. Ok, là on va peut-être pouvoir sortir dehors. Non, là y a rien. Là, y avait des trucs marqués. On va ouvrir là. Cette pièce là on n'avait pas accès. Alors, ouais, c'est normal maintenant c'est le jeu complet mais ça fait bizarre. Franchement ça fait bizarre les amis, franchement ça fait bizarre. Y'a rien là dedans. Y'a quoi là? Ah, des munitions. Oh, ça va être tendu hein. Faut vraiment regarder partout parce que on peut tomber sur des trucs. Non. Non. Ok. Oh là là. J'ai changé un cours des choses. Quand vous entendez un truc, un crack, il y a un truc qui va se passer. On va aller là-haut. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte. Oh! Putain, elle est là cette pute. Putain, elle est là cette conne. Descends, descends. T'es sérieux? T'es sérieuse? Putain, mais... Dans la tête. Allez, on court, on court, on court, on court. Allez, dans la tête. Recharge. Ah, tu m'étonnes qui? Il compte sur moi. Tout le monde. Sur moi. Dans le monde. Allez, recharge. Elle est morte? Elle est morte? J'ai réussi. Oh, 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 oh. Oh putain. Ta connasse a voulu me couper en deux. Infecté. Merci. Ouh, ouh. Voilà. Bon là elle est vraiment morte ou quoi?
Je peux pas ramasser la tronçonneuse là? Non? Oh putain! T'es sérieux toi? What? Oh! Oh putain, il est encore là juste enculé. Dans, voilà. Bref. Putain. Oh l'enfoiré! Et c'était le même principe dans la bêta, les amis. C'était le même principe. Voilà, quand vous essayez de vous enfuir comme ça, lui, à chaque fois il vous chopait et vous mettez une pêche en pleine gueule. Voilà, là il lui fait pareil, exactement pareil. Bon bah du coup, hein, ça valait le coup d'aller chercher Mia. 3 ans de disparition et pour en arriver là. Ah, franchement le mec est courage. Alors là, comment ça va se passer? S'il y a une cinématique, j'enlève ma cam. Hein. T'as du pain sur la planche. J'ai du pain sur la planche. J'enlève la cinématique. Allez, debout, jeune paresseux. C'est l'heure du dîner. Qui êtes-vous? Ok. Oui, Mia. J'enlève ma caméra histoire de que vous voyez mieux les cinématiques, les amis. Ça devient lourd, vieux. Pousse-toi de la Marguerite. Ok. J'ai rien fait, monsieur. Il doit prendre son dîner. J'ai rien appris, monsieur. T'es sérieux ou quoi? Oh merde, oh merde, oh merde! Il mange pas, Jack! Il mange pas! Ferme-la, Marguerite! Ta gueule! Dégage, connasse! Le bras coupé, en fait, alors l'autre... Lui, là-bas, c'est celui qui... C'est un festin très spécial. Oh non, pareil. Aïe, 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 aïe. T'es sérieux, quoi? Allez, vas-y. Oh, merde. Ah. Je parie que c'est encore ce flic. Petit poulet. Bouge pas, je reviens. Oh, putain. Oh là là, c'est chaud. Qu'est-ce que je fais? What? Je me suis cassé la gueule tout seul ou quoi? Bah, je comprends pas. Ok, là, on joue pas le même personnage. À mon avis, c'est pas le même personnage. Oula. Ok, là, on a le garage. Y'a quoi là? Sectionner un objet utilisé. Ouais, mais non, je peux pas. C'est fermé à clé. Je suis où là? Ok, je suis dans la porte principale. C'est soit je vais par là, ou soit je descends par le garage. C'est quoi? Elle a l'air fragile. Je peux pas la casser? Ah ouais, mais j'ai... Ouais, mais j'ai rien pour la casser. Est-ce que je vais dans le garage avant? Je vais faire la porte qu'il y a là-bas pour voir. Il y a une porte par là-bas. Faut que je trouve un truc pour casser. Oh. C'est verrouillé de l'autre côté. Ouh là là. Ah. Ça fait quoi si on va par là? Oh putain! Ok, bon, on va. Je fais quoi? Je vais descendre par là. Faut que je me cache. Faut que je me cache. Il m'a trouvé. Il m'a trouvé.
Oh non, 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 non. PD. Sauf qui peut. Cours, cours, cours. Non, non, pas trouvé. Tu m'as pas trouvé. Hop. Putain, crétin, va. Essaye d'utiliser ta paix. Oh, allez, allez, cours, cours. Ouf. Il m'a défoncé. Vas-y, viens. Tu veux te battre. Tu veux te battre. Allez, vas-y, viens. Je vais t'écraser comme un insecte. Allez, viens. Viens, enculé. Oh, tu m'as loupé. Et voilà mon petit garçon. Je vais mourir. Je vais mourir. Oh, il m'a cassé le bras, t'es sérieux? Oh, je vais mourir, je vais mourir. Il m'a tué? Je sais pas ce qu'elle a vu en toi. T'es sérieux, il m'a tué? Oh. On va y aller, on va voir. Oh shit. Non, il va me casser la gueule. Oh, c'est pas bon ça. Si on meurt les amis, on va arrêter là parce que ça fait deux fois qu'on meurt. Il va me sauter dessus. Il va descendre. Il me faudra pas longtemps pour te trouver et te tuer. Faut pas que je bouge. Oh, il va descendre, il va descendre, il va descendre. Ne bouge pas. Ne bouge pas, mon ami. Voilà. Oh oh. Tu sais ce qu'on dit, famille un jour, famille toujours. Ouais, si tu veux, ouais, mais moi je veux pas rester ici. Je suis sûr si je bouge, il est au-dessus de l'escalier. Petit. C'est un. Faut pas que je bouge. J'aurais dû aller quand il était dans la cuisine là-bas. Tu sais que je vais finir par te trouver, hein? Et quand je te trouverai. Oh oh. Attends, j'ai pas envie de bouger, je sais qu'il va être là. Oh là 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 là, tendu, c'est tendu. Où es-tu? Si je bouge, je suis mort, non? Mais il va falloir que je bouge. Allez, cours, cours. Cours. Oh yes. Clé de la trappe. C'est fini, gamin. Ok, ouais, ça doit être Mia, non?
j'ai pas sélectionné un objet à utiliser. Oh là là, c'est vraiment flippant, les amis. Montre-toi, montre-toi, sors de ta cachette. Allez, cours. Il m'a vu. Il m'a pas vu. Oui, utilisez. Allez. Ouf, on a réussi. Oh putain, on a réussi, les amis. Oh putain, et il m'a fait flipper. C'est un truc de ouf, ce jeu. Donc où je suis, tout ça, derrière j'ai une porte, c'est au-dessus. Donc je suis en bas. Il y a quoi là? Oh, oh. Faut que je trouve un truc. Oh, c'est tendu là. Oh là, on est sous la barre carrément. On va aller dehors. Pièce mécanique. Ah, c'est la pièce qui doit être là-haut. Ok, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas une arme. Il n'y a pas d'arme là. Oh, c'est tendu. Faut vraiment regarder partout. Faut vraiment regarder partout. Oh. Oh, c'est tendu. Alors, soit c'est lui qui est là, ou soit c'est... Oh, on a une sauvegarde. Ok, on a le plan, la buanderie. Ok, d'accord. La buanderie. Ouh, les amis. Bon, on va sauvegarder là. Putain. Oh, franchement, c'est un truc de dingue. Franchement, c'est un truc de dingue. Bon, franchement, j'ai mis un petit peu de temps à trouver comment faire. Mais franchement, ça fait flipper, c'est faut vraiment se cacher, il faut attendre que lui va dans la maison, tout ça, machin, tout. Franchement, ça fait flipper. Bon, j'ai pas encore fait avec le PlayStation VR, mais j'ai lu sur pas mal... ouais, sur YouTube, j'ai lu sur, que voilà, sur que le PlayStation VR, ça saccade un petit peu par moment. Donc, je pense que le PlayStation VR, je le ferai pour moi, perso. Ou soit peut-être plus tard dans l'aventure sur Resident Evil 7, je ferai tout simplement avec une vidéo avec le PlayStation VR pour voir ce que ça donne. Et donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus comme d'habitude, les amis. Un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et donc voilà, franchement, ciao ciao.